fait, quand tu choisis quelqu'un, il faut que tu regardes les résultats de ses clients, tu vois. Avant tout, tu vois. Les résultats de ses clients, tu vois. Je dirais même pas ses résultats à lui, je dirais les résultats qu'il donne à ses coachés. Parce que lui, il peut avoir des fois, tu peux avoir des résultats, par toi-même, mais tu sais pas comment le transmettre aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sais comment faire pour toi, mais tu sais pas expliquer aux autres comment faire pour arriver au même niveau que toi. Donc, quand tu prends un coach, regarde si jamais les coachés ils ont des résultats. Et il va les voir, pose-leur des questions, etc. Instant pub. Yes. Donc voilà les gars, ok. Donc c'est bateau, nanani, c'est vrai. Mais croyons vos rêves. Je m'en fiche, je vous le dis quand même. Hein, à force de l'entendre, ça va rentrer. Croyez en vos rêves, les gars. C'est ma formation. Oh, c'est ma formation, hein, les gars. Yomi, c'est du dropshipping qu'il fait. Moi, je t'apprends à vendre des formations en ligne. Tu vois. Je t'apprends à vendre des formations en ligne. Une formation en ligne sur n'importe quoi que sur lequel tu as une passion, quelque chose, tu vois. Par exemple, Florent, il voulait faire une formation en ligne sur comment se remettre en forme. Boum. Si on voit ça, ta-ta-ta. Tous les gens qui veulent se remettre en forme, ils achètent la formation. Boum, boum. Après, évidemment, il faut être bon, il faut avoir du marketing, il y a toute une stratégie. Hein. C'est pas, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait comme ça. Voilà, évidemment, il faut se former. De toute façon, clique sur le lien dans la bio, tu verras, tu auras accès. En cliquant sur le lien, tu auras accès, tu verras écrit formation de business en ligne en partant de zéro. Donc, tu pourras y avoir accès. Franchement, je voulais profiter pour te dire merci encore pour tes contenus. Un mec ultra productif, je crois que j'en ai jamais vu un. Comme toi, franchement, t'as 12K sur YouTube, mais mérite plus. Merci toi, Mako. Ça fait plaisir que ton charbonne pour vous montrer l'exemple aussi, tu vois. Ouais, la communication, c'est le plus dur. Le marketing, en fait, c'est pas juste simple. Genre, tu viens, tu vends de la formation en ligne, tu vois. De toute façon, je t'en parle, tu vois, je te donne tous les détails. En cliquant, faut que tu cliques sur le lien dans ma formation en ligne offerte, c'est une valeur de 200€. Donc c'est pas un petit truc vite fait, tu vois. Si tu cliques sur le lien dans la bio, c'est vraiment une vraie formation. Tu pourras déjà avoir des résultats. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu auras accès à, après la formation, créer votre business en ligne en partant de zéro. Donc oui, effectivement, pour pouvoir vendre des formations en ligne. En fait, vendre des formations en ligne, c'est comme si tu vendais des chaussures, comme si tu vendais tout. C'est comme si on utilise les mêmes stratégies qu'Amazon, que tout ce que tu veux. Ça va être comment avoir l'attention des gens, comment être transformé en prospect, comment être transformé en client, comment livrer le produit, donc en l'occurrence là c'est la formation en ligne, comment avoir des clients qui sont fans et qui veulent acheter des produits, comment faire pour trouver des clients, parce que c'est bien, comment trouver des clients pour qu'ils puissent acheter, parce que tu as beau avoir des formations en ligne qui déchirent de ouf et qui peuvent permettre aux gens d'atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre, si jamais tu sais pas comment ramener du trafic, donc genre des gens qui viennent acheter ta formation, bah, elle restera dans ta chambre, hein, ta formation. Là, je suis en Floride, Tracy. Je suis à Fort Lauderdale, c'est juste à côté de Miami, c'est la ville à côté de Miami. Donc voilà, mon gars. Donc les gars, on est déter. Si jamais tu veux vendre des formations en ligne, il y a des biographies pour comme moi. Voilà, moi j'ai choisi ça. Moi j'ai choisi ça, ce levier, pour pouvoir être libre géographiquement. J'étais vraiment. Parce qu'au début j'avais créé un business en ligne sur le soin à domicile. Tu vois, c'était une entreprise physique quoi en gros. Et genre. Et du coup j'ai basculé, boum! Et j'ai basculé. Je suis en train de lire un message. Et j'ai basculé, boum! J'étais infirmier libéral à la base. J'avais créé une société dessus. Boum, après j'avais un employé et après j'ai dit non, je préfère être libre, je préfère avoir mon business en ligne, repartir à zéro. Je suis reparti à zéro et boum, j'ai créé mon business en ligne déterminé, tu vois. Aujourd'hui j'ai envie, normal, je suis libre géographiquement, je suis en Floride. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars?